was a kid, all I had was a dream. More money, more problems, when I get it, I'ma pile it up. Now I'm dope, want the bread, we can toast, so. Hello everybody, tout le monde, c'est DJ Steb 974. Aujourd'hui, je vous présente un let's play live sur le jeu Lego Le Seigneur des Anneaux sur PS3. Donc c'est un jeu qui est sorti il n'y a pas trop longtemps. Je suis en compagnie de mon frère Snake Eyes. Salut tout le monde. Donc voilà, on va se faire un petit let's play. Donc lui, il a déjà joué au jeu, moi j'ai pas encore joué au jeu, donc je vais le découvrir en même temps que vous. Donc ben, on va voir ce que ça vaut. Hein. Allez, donc on va tout de suite commencer notre petite partie. Le monde a changé. Alors, je le vois dans l'eau. Donc j'espère que le jeu sera excellent. Ben lui m'a dit qu'il a bien aimé, donc on verra tout de suite. Allez. Je le sens. Donc ben on va essayer de parler un petit peu pendant qu'on joue. C'est mon premier let's play, donc je sais pas trop comment ça se passe. Mais bon, voilà, on va écouter les petits extraits. Immortels, les plus sages et les plus respectables de tous les êtres. C'est au Seigneur Nain, grand mineur. Donc voilà, on a vraiment l'histoire du Seigneur des Anneaux là. Ça fait bizarre de le voir en Lego quand même, parce que habitude de voir le film ou de voir le jeu sur toutes les plateformes et en vrai jeu. Donc, vous voyez, il y a le petit côté comique chez Lego. Voilà. On peut faire passer cet extrait là ou pas? Non, tu peux pas faire passer. Tu sais, il faut que tu parles parce qu'on te voit pas. Oui, je sais. Ça commence bien. Sur les terres du Mordor. Dans les flammes de la montagne du destin, Sauron, le seigneur des ténèbres, forgea en secret un maître anneau pour y gouverner tous les autres. Ah, il est bien fait Sauron quand même. Un anneau. C'est pas mal. Pour un jeu Lego, ça le convient quand même. Enfin, pour le moment, hein. On verra après. Fut certain qu'il résistait. Toi, tu kiffes, ça, n'est-ce pas? Et sur les versants de la montagne du destin, ils se battirent pour libérer la. Ah, on joue maintenant là, non? Pas encore. Ouais. Ouh. Oh, ça touche. Ça touche. Voilà, moi je suis qui? Toi t'es pas là, puis sur start, voilà. C'est quoi les touches? Ah, ok, ça c'est. Mais on ne sait pas changer de personnage, car okay, reste pour taper. Ça, okay. Moi c'est pour ce plan. Okay. Ah, ça c'est pas mal, sauf que je comprends pas où je suis. Je vais me faire buter dans un instant, ça va. Ça... Okay. Ma fille LMD. Le mec qui se joue. Moi je qui, moi? Oh, super, c'est cool. On peut être qui? Oh, on peut être Elrond. Oh, trop classe. Oh, trop classe. Alors, en fait, ils nous font bouclier pendant qu'ils nous occupent de quelques-uns à l'intérieur, tu vois. Ah, il faut tuer le fantôme drapeau, voilà, le dernier. Et voilà, il est mort. C'est bon. On a gagné. Non, pas encore. Il faut aussi que tu prennes le maximum de pièces, comme ça tu peux avoir le type d'aventurier. Okay. Elle ronde gérable, ça. Waouh. Ah, donc pour l'instant ça fait ça. Mais en fait c'est mal parce qu'ils le font, tu vois, ils font barrage, donc il reste que quelques-uns qui viennent nous attaquer, donc on est tranquille en fait. Allez, voilà, ça fait ça. Voilà, on a encore tué 3. Qu'est-ce qui se passe?
Ça tombe mal, hein, une éruption pendant une pleine bataille. Est-ce que les voilà. Il est tout le temps comme ça, mais hey, ils apparaissent comme ça aussi, d'accord, carrément. C'est quoi ça? Ça, c'est moi. Non, c'est quoi? Et je vais te faire quoi? Passe-moi un LND. Ah, tu es bon. Et, tu veux pas? On est bug. Ah mince, pardon. C'est moi. Je te couvre. Bah j'essaye. T'es genre en fait je comprends que dalle ce qui se passe au jeu quoi. Tu penses à un jeu Lego, c'est fait pour les petits. Ouais bah oui mais c'est. Ça fait bizarre de changer de... d'univers de con. Crève, crève. Voilà. La victoire est proche. La victoire est proche, oui. La victoire est là, oui. Ouais! Faudrait peut-être activer les sous-titres aussi, peut-être. Ah, c'est pas activé? Non. On va activer tout à l'heure. Le pouvoir de la nuit ne pouvait être vaincu. Oui. Oui. Ça va faire mal. Ouais! Hey, on doit faire quoi? Hein? On doit faire quoi? Il a juste regardé. Ah, peut-être oui. Ah, moi je suis un robot. Attaque! Fonce pas sur lui, tu vas te faire dégommer. Ah, d'accord. À ce point-là. Ah, il rit, il est fou. Tu attends qu'il plante ma tête. Qu'il coince ma. Ouh, son ouh, ouh, par terre. Oh, pinaise! Oh, pinaise! Tu attends qu'il coince son marteau par terre. Ok. Ah, ouais, j'ai failli me faire défoncer. Eh, hey, mais il est grand! Mais c'est quoi ce truc-là? C'est beau, hein. Il exagère. Oh! Oh! Bah ça va. Je suis où? Je suis où? Ah d'accord, je suis là. Je crois que c'est moi qui dois taper le maillet parce qu'il éclaire rouge en fait. D'accord. Et il n'y a que l'épée de la lutine qui fait ça. Hi! Hi! Non! Voilà, c'est le mec bon. Qui crée des petits robots. C'est Monsieur Python Fournaise. Oh punaise, oh punaise, t'es où, t'es où, t'es où, voilà ce moment. Ah non, je suis passé. Non, pas moi. C'est bon, il m'a pris. Je gère. Voilà, allez, go. Allez, ouais. En fait, il y a beaucoup de spectateurs, hein, tu vois, ils nous regardent tous pour rien. Eh oh, vous êtes là? Je crois qu'ils sont là en fait. Les gars, on a besoin de vous. Les gars, on a besoin de vous, les gars. Oh, comment tu t'es fait défoncer. Toi aussi. Oh. Oh. Une vie, oui. Oh, c'est cool de faire ça. Yamakasi. Yamakasi. Bon, c'est bon, il passe son manteau là, ce steak là. Voilà, allez, non, c'est pas encore le moment. C'est quand tu vois l'éclaircie par terre. Ouh. Ouh. On l'a eu. Oui. Allez, donc. On va se faire défoncer. Non, ou pas. Oh. Isildur, le fils du roi, s'empara de l'épée de son père. Assez. Le casque en terre. Fut vaincu. L'anneau alla à Isildur, qui eut la seule opportunité de détruire le mal à jamais. Isildur, vite! Suivez-moi! Il a des oreilles, moi! Vilain! Ah, c'est bizarre! Je l'ai pécassé, non?
Et ça pète tout le quoi? Non, il faut Gimli. Ah, d'accord. Et pour ça, il fait ça. C'est bon, j'ai déjà... Oh! Oh! C'est de la lave. Oh! C'est... Mais j'ai sauté! Mais j'ai sauté! Mais... Arrête de perdre des pièces! C'est n'importe quoi, j'ai sauté. Allez, bam! Le gars escalade ça comme si de rien n'était, tu vois. Moi aussi je fais, mais je tape dans le vide en fait, tu vois. Oh, ouh là là, c'est chaud. Ouh, ouh là là, ouh là là, ouh là là. Attends, une pièce là. Non. Et ça frotte hein. Et le truc là-haut, je parie qu'on peut pas non plus. Non, il faut dégoûter. Faut pas le tirer, quoi. Ah, c'est toi, ça, pardon. Désolé. Point. Eh, mais pourquoi ça me repousse? Je vais vers le gars, mais ça m'éloigne. C'est toi, là. Attends, mais pourquoi il faut que j'arrive à monter, à comprendre comment on monte. Voilà. Attends. On a oublié les sous-titres. Ouais, vas-y, mais. Ah, c'est bon. Il faut quoi, il faut que je fasse quoi? Monte. Comment? C'est qu'une fois. Ah, d'accord. Ah, bah. Le double saut est plus. Et il saute plus bas que le saut normal. Logique. Ah la lave. Bon, et toi? Attends. Quand tu veux. Oh oui, oui. Non, c'est pour moi, c'est pour moi. C'est pour moi. C'est pour moi. C'est moi qui l'ai. Je m'en fous. C'est moi. Wow. T'es sérieux là? Je t'ai coincé. Il trouve le moyen de mourir alors qu'il n'y a même pas. Tu peux même presque même pas tomber quoi. Chute. Tout à l'heure toi aussi t'as fait pareil. Chute. C'est bon. On peut pas péter le truc là si je... Non, je crois qu'il faut un magicien. Ah, j'arrive. Les Gandalf ou le... Ah, pardon, c'était toi. Désolé. Non, rentre pas tout de suite. Non, rentre pas tout de suite. Il y a une pièce d'abord. Café. C'est pas le tir, n'est-ce pas? Hé! Tu viens de pousser là! Oh, c'était trop beau! Oh, c'était trop beau l'action! Oh, un trophée, oui! Comme ça! C'était galère sur Freddy! Vas-y, jette-le! T'es sourd ou quoi? Jette-le! Je vais avoir le record du mouchage! Ah ouais! Steak! Mais le cœur des hommes est aisément corruptible. Et l'anneau de pouvoir à sa volonté propre. Bah qu'on fait? Et les gars, ils voient le mec qui vient visiboter. Respect. Ah oui. Qui n'aurait pas dû être oublié. Fur perdu. Pendant 2500 ans, plus personne. Ah, j'ai jamais compris que c'était Galadriel qui disait ça en fait. Je sais pas, et. Ah oui. L'anneau vint à une créature nommée Gollum, qui l'emmena dans les galeries souterraines des monts brumeux.
Bon, désolé pour les bruits à l'arrière, il y a le chien, il y a les parents qui parlent, donc si vous entendez des choses, faites comme si il n'y a rien. Voilà. Mais il se passa une chose à laquelle l'anneau ne s'attendait pas. Oh. Il fut ramassé par la créature la plus improbable qui soit. Qu'est-ce que ceci ? C'est quoi ce... Un hobbit. C'est la voix de Winnie l'ourson ? T'es sérieux ? Oh non, pitié. J'avais dit ça. Oh non, c'est dégoûtant. Oh, c'est dégoûtant. Bon voilà, on a fini la première mission, on va pas plus vous retenir que ça. Donc, vous voyez, c'est un jeu quand même qui est assez excellent, même si bon, ça reste un jeu Lego. Mais vous voyez, on s'est bien amusé. Là, c'est que la première mission, il n'y a pas eu trop de difficultés de ça. Donc ben, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager. Et si vous... Comment vous voulez nous donner des conseils ou des trucs comme ça, mettez en commentaire. Et si vous voulez d'autres let's play aussi, mettez en commentaire. Donc voilà, merci à tous. Ciao, bye. Bisous les gens. Au revoir. C'est tout. tu le dis avec plus de passion, avec plus d'élégance, s'il te plaît. À bientôt. Putain. Bon, allez, on se retrouve.